looking for something that will never come. Love for real, yeah. Just look through the window, watch some people pass by. Just not like me around. Everyone feels sorry for me, but I say better like this. Who said that is the life that I'm supposed to live? It wasn't me. Comment se faire connaître et se développer en vente directe sans adopter une bonne stratégie de communication? C'est aujourd'hui de moins en moins possible et les entreprises sont en train d'en prendre conscience. Le vieil adage « pour vivre heureux, vivons cachés » a du souci à se faire. Les choses ont beaucoup bougé. Les entreprises, il y a ça 20 ans, ne voulaient pas communiquer, considéraient que ça ne faisait pas partie de leur de ce qu'elles devaient faire. Oui, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, vivons cachés, précisément à cause de cette situation où la profession était assez facilement attaquée. C'était un bon sujet pour tout journaliste. Alors la communication chez nous, on l'a dit déjà tout à l'heure, c'est... vivons cachés. C'était la communication il y a quelques années. C'est encore la nôtre, hélas. Hélas, parce que les choses changent et je crois qu'il va falloir vraiment évoluer. On s'est lancé en 2009. En termes de communication, on a eu la chance de passer sur Télématin en octobre, donc un petit reportage sur les ateliers justement à domicile. Et ça a eu un énorme impact pour nous. Aujourd'hui, nous, on travaille donc avec une attachée presse qui s'occupe notamment des shoppings pour présenter nos produits. Et c'est vrai qu'on en parlera peut-être plus tard, mais en tout cas, par rapport à nos conseillères et par rapport à nos clientes, c'est extrêmement positif. Aujourd'hui, ça représente chez nous, si vous voulez, entre 25 et 40% selon les clients de retombées médias. Quand on a commencé la société, il n'était pas question de ne pas communiquer et que tout de suite, on a voulu communiquer aussi sur le web. Alors moi, il y a une chose qui m'a vraiment marquée, parce que moi, je continue à faire de la vente parce que j'aime beaucoup le retour terrain, c'est que la première chose qu'on m'a dit, c'est quand j'essaye d'organiser un atelier, les futurs potentiels clientes, les futurs invités vont systématiquement googliser votre nom, en fait, et sur Internet. Donc ça, c'est un point. Enfin, moi, j'en étais pas consciente à ce point. Je pense que c'est extrêmement important. Média désormais incontournable, le web est un outil de communication de masse extrêmement varié. Site Internet, réseaux sociaux, blogs et forums, les pistes sont nombreuses, mais les pièges également. J'ai tendance à croire que ceux qui interviennent sur Internet sont très souvent des gens qui veulent critiquer. L'apport d'informations positives, naturellement, est très difficile et la plupart du temps, elle est faite par les entreprises elles-mêmes ou des prestataires de services. C'est tout au moins ce qui est perçu par les internautes. Et je sais ce qu'il en est, puisqu'on a des activités par ailleurs dans ce domaine-là. Nous avons un produit qui est aujourd'hui, et j'ai entendu certaines consoeurs qui sont aussi dans le même domaine que le mien, donc la cosmétique. Il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas vraies. Entre autres, les labels bio, l'intérêt du bio, l'intérêt de certains produits, que ce soit l'anti-âge ou l'effet de certains produits cosmétiques ou d'autres produits. Comment combattre ça, sinon en ne communiquant pas et en laissant parler les gens qui disent, sans connaître ce qu'il en est du produit ou ce qu'il en est des principes? Et comment faire pour combattre ça? Nous, on a décidé sur la France, avec un produit que nous avons qui est à base d'huile animale, donc j'ai déjà dit beaucoup de choses en disant animal, on a décidé tout simplement d'aller à l'étranger, de faire la promotion de notre produit qui, lui, est extrêmement demandé à l'étranger. La France ou certains publics français, et on a la problématique aussi avec nos VDI d'avoir cette même réaction, d'utiliser un produit qui a une base animale. Et donc sur la France, on a décidé de ne plus communiquer du tout, alors que le produit est véritablement un vrai produit efficace, sans blabla, sans marketing, et on est dans la cosmétique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le principe que ce n'est que critique sur Internet. Je peux vous montrer des tonnes de blogs et des tonnes de webzines sur lesquels c'est dithyrambique de compliments, où les gens sont trop heureux de faire partager leur enthousiasme sur des produits, sur des marques, etc. Il faut d'abord archi-communiquer. Déjà, pour commencer, pour être certain d'avoir toujours tes postes en première ligne avant d'avoir ceux qui te démolissent. Je trouvais très important de laisser des espaces, que ce soit sur un blog ou sur un site, pour laisser la libre expression aux personnes. C'est-à-dire qu'on peut très bien informer,
Et ensuite, laisser un espace où les gens pourront s'exprimer et ne pas le censurer, parce que ce que je trouve très délicat dans ce domaine, c'est la censure, c'est-à-dire qu'après, il va y avoir des polémiques qui vont remonter, on va tomber dans une communication de crise qui sera très compliquée à gérer. Et la bonne solution, je pense, c'est de laisser la libre expression, ce qui permet en fait aux gens de nuancer les propos et de se faire un avis. Mais il existe d'autres dangers sur la toile et pour s'en prémunir, la meilleure méthode consiste à anticiper. N'importe quel distributeur peut créer un site, s'exprimer sur le site. Pourquoi pas présenter la maison de Beverly Hills, la Jaguar, la piscine, bref. Bon. Et donc, ça comme d'autres sujets. Hein, et donc, effectivement, il y a maintenant dans notre code des règles qui ont été mises en application depuis un congrès mondial à Singapour, il y a 2 ans de ça, pour dire tout distributeur qui s'exprime doit le faire en accord avec la politique de l'entreprise. Alors, la politique de l'entreprise, après, c'est à elle de définir si, oui ou non, elle veut imposer à ses distributeurs un certain nombre de règles. Et moi, je sais que chaque fois que je fais un contrat et que je conseille aux entreprises d'avoir le contrat avec les distributeurs, de mettre un certain nombre d'articles, par exemple, interdiction d'aller vendre sur eBay, pour prendre que cet exemple, interdiction de vendre sur le net ou de recruter sur le net comme ça. Bon. Et tout document que je vais faire, y compris des DVD, y compris des documents imprimés, etc., nécessitant l'aval préalable de l'entreprise avant toute diffusion. Le bon à tirer avant toute diffusion. Nous, en tant que jeune réseau, on n'avait pas forcément mis au point les bons outils. Donc, nos distributrices, elles étaient tentées pour faire des choses d'elles-mêmes. Donc, on a revu notre copie et ça change tout, du coup. Donc, quand déjà l'entreprise fournit les bons éléments, les distributeurs sont moins tentés d'aller chercher autre chose. Ils ont le matériel. Hein. On ne peut pas parler du net sans s'arrêter un instant sur les réseaux sociaux. Les internautes y commentent leurs achats et les entreprises y créent leur compte Facebook ou Twitter. Une communication à moindre coût est particulièrement chronophage. Pour Place Ballard, on a une page Facebook, bien sûr, qui est relativement active. Nous-mêmes, on met des messages au moins 1 à 2 fois par semaine. Et puis nos clientes, nos ambassadrices viennent faire leurs commentaires. On communique très peu, voire quasiment pas. Et on a pris la décision, alors c'est une révolution pour nous, mais on a pris la décision le mois dernier, justement, de commencer à travailler, à communiquer dans les réseaux sociaux. Mais on a pris conscience d'une chose, c'est qu'effectivement, c'était énormément de temps. C'est un métier en tant que tel, donc on a pris la décision d'embaucher quelqu'un qui sera dédié à cette communication, uniquement d'ailleurs sur le net. Si communiquer à l'extérieur est essentiel, retenez aussi qu'un réseau efficace est un réseau impliqué et bien informé. Ne négligez surtout pas la communication interne, ni celle qui vous servira à recruter votre force de vente. Et là encore, les outils sont nombreux. On peut communiquer produit pour aller vers le recrutement, on peut communiquer méthode de travail pour aller vers le recrutement sans obligatoirement parler annonce-recrutement. Les sociétés oublient un peu d'avoir une cohérence globale dans l'ensemble de leurs documents de communication. Et souvent, ils estiment que certains documents sont moins importants que d'autres et que finalement, on n'a pas besoin de travailler plus dessus, genre les bons de commande, par exemple, pour l'un, ou alors le catalogue, ils le font eux-mêmes et tout ça. Ils oublient qu'une communication, c'est vraiment global. C'est aussi la communication verbale. C'est-à-dire qu'en fait, le premier contact qu'on a vis-à-vis d'un futur recrut, très souvent, ça se passe au téléphone. C'est un message qui doit être court. Et c'est aussi la formation qu'on donne, ou quand on invite une hôtesse, enfin, on essaie de dater un atelier. C'est aussi les outils de communication et travailler avec la nouvelle recrue, comment elle va s'adresser au téléphone pour essayer de convaincre une hôtesse ou convaincre une cliente de venir. Et donc, c'est la partie aussi discours oral, parce qu'on parle beaucoup de l'écrit ou du digital, mais je pense que la communication orale est très importante. Il faut faire attention aux faux pas. Il ne faut pas, quand on fait une campagne de pub, ou alors quand on est interviewé à la télé, par exemple, que le réseau apprenne quelque chose d'important, un nouveau produit ou une action nouvelle, par ces médias. Et de même qu'il ne faut pas que les salariés en interne des entreprises apprennent quelque chose qui va se passer au sein de l'entreprise par le réseau. Parce que ça, ce sont des facteurs de démobilisation, donc de démotivation, qui peuvent être très importants et très graves. Donc il faut veiller à bâtir une stratégie de communication en interne, de manière à éviter ces faux pas. Bien, merci de votre participation.